Renouveau Télé, la télé totalement votre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. Voici les principaux titres. Si la disponibilité des cartes d'identité nationale biométrique sécurisée est une réalité, avoir sa carte est un parcours de combattant. Certains se plaignent de la non-mise à jour des données personnelles. Face à la multiplication des attaques terroristes dans les régions du centre, les FAMA prennent leurs responsabilités en multipliant des frappes aériennes. Les détails dans cette édition. Comme les autres années, les riverains de Cotroni et Lucho de Sikasso sont menacés d'inondations en cette période pluvieuse. Face à la menace, ils lancent un cri de guerre aux autorités. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant, 5 millions de cartes d'identité nationale biométrique sécurisées sont déjà produites. Cette information a été donnée ce jeudi 31 août 2023 lors d'un point de presse animé par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agissait aussi pour les conférenciers d'assurer la population sur la gratuité de cette opération de retrait. Les détails avec Amadou Diarra. 5 millions de cartes nationales d'identité biométrique sécurisées sont désormais disponibles. Les Maliens établis à l'extérieur, toutes les missions diplomatiques et consulaires ont déjà leurs cartes totalement, entièrement produites. Ainsi, pour apporter des réponses claires aux interrogations des Maliens par rapport à la situation des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et celui de la sécurité et de la protection civile ont organisé le présent point de presse. Aujourd'hui, nous sommes à 69 000 cartes produites par jour. Depuis quelques mois, on a mis la pression pour que non seulement la production puisse augmenter, mais aussi qu'on puisse atteindre rapidement les caps de 8 millions de cartes d'électeurs, de cartes d'identité attendues. Pour ce qui est de la distribution des cartes au niveau des régions, nous avions fait un planning que vous pouvez facilement voir aussi pour les acheminements. Donc nous faisons un acheminement groupé par voie aérienne et cet acheminement aussi est en cours vers nos missions diplomatiques et consulaires. L'objectif de 8 millions de cartes attendues pour cette première phase, je dis bien cette première phase, nous avions déjà réalisé 5 733 428 cartes. Donc il reste quasiment 2 millions de cartes. Et là aussi, on a un délai raisonnable qu'on a eu à donner à la société. Et la société se tient à respecter ce délai. Au ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation de présenter le dispositif de remise de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Un dispositif simple, c'est-à-dire que dans toutes les circonscriptions administratives, les représentants de l'État vont créer par décision des commissions de remise. Commissions de remise dans lesquelles, bien entendu, il sera également précisé les différents sites de remise. Les sites de remise sont, bien entendu, divers. Les chefs-lieux de commune, les chefs-lieux d'arrondissement, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie. Mais en plus de cela, pour nos compatriotes vivant à l'extérieur, les ambassadeurs et les consuls feront le même exercice. Aussi, les deux ministres ont invité les Maliens à aller retirer rapidement leurs cartes. Ils ont profité de l'occasion pour rappeler que le retrait est gratuit. Ils ont enfin appelé à la vigilance face aux désinformations sur le sujet. À présent, voyons avec Gabriel Keïta comment cette opération de retrait se passe sur le terrain. Les centres de retrait de la carte biométrique à Bamako sont bondés depuis quelques jours. Si certains viennent pour se renseigner sur la situation de leur carte, d'autres, la majorité, fait la queue pour le retrait de leur carte. Après avoir récupéré leur carte, certains déplorent la non-mise à jour de leurs données personnelles. Bon, le problème majeur, c'est que il y a une insuffisance dans l'organisation. Quand le message est sorti que je dois retirer à Yirmadjo, la mairie de Yirmadjo, j'ai été là-bas. On m'a dit que c'est non. C'est la mairie de Misabo. Effectivement, j'ai trouvé mon nom. Je me suis inscrit depuis hier. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir hier. Je suis revenu aujourd'hui. Je suis à l'attente. Je suis en train d'appeler. Les gens rentrent 3-3.
et l'équipe aussi qui distribue, c'est vraiment mini par rapport au nombre de gens qui attendent. Donc c'est vraiment timide. Je vais dire des choses à nos autorités. Vraiment, on est fatigué, on a trop de problèmes ici. Les cartes sont nombreuses, nos noms sont inscrits sur les différentes listes, mais on ne parvient pas à voir nos cartes. On nous fait retourner à Irumadjo parce que la première fois, on m'a envoyé le message que ma carte se trouve à Irumadjo. Je suis parti là-bas, ils m'ont dit que non, ils m'ont renvoyé encore à Missabougou. Je suis venu à Missabougou, on ne me parle même pas bien. Nous sommes au centre secondaire de Missabougou. On est venu étudier nos cartes biométriques. On peut savoir que la première difficulté, c'est de savoir l'équipe de distribution n'est pas assez. On a besoin de plus de personnes. Et puis le travail a commencé un peu tardivement. On était là à partir de 8h, mais il y avait à cause du mariage, on a commencé la distribution aux environs de 11h. Donc jusqu'à présent, nous sommes dans l'attente. Donc ça fait que nous perdons toute notre journée pour avoir notre carte. Et puis souvent, on fait des listes qui sont remises au lendemain. Donc ça, ce sont les difficultés particulières qui sont là, qu'il faut corriger pour qu'on puisse avoir les cartes vraiment de façon agréable. Depuis avec la RR, donc mes cartes là, on pensait qu'avec le nouveau enrôlement, qu'on puisse corriger, mais au RR, on sait qu'à corriger. Par rapport à mon nom de femme et lieu de naissance, année profession. Et quand je faisais le nouveau enrôlement, j'ai même amené la copie de mon diplôme pour qu'on puisse mettre ma profession sur la carte. Mais malheureusement, on m'a toujours qualité privée. Et le lieu de naissance aussi a été modifié. Au lieu de Médine, on a écrit Lontou. Vraiment, c'est des difficultés. Bon, je me demande quand est-ce qu'on pourra corriger ces difficultés-là. Moi-même, je me suis battu pour avoir la nouvelle carte, espérant que ces erreurs seront corrigées. Mais malheureusement, ces erreurs n'ont pas été corrigées. Sinon, j'ai eu ma carte. Aussi, certains se plaignent de la mauvaise répartition des cartes. Ainsi, pour résoudre ces problèmes qui se posent pour le retrait de la carte, certains proposent des solutions. Bon, la solution, c'est de multiplier les lieux de retrait. Je pense que c'est pas que ce soit dans les mairies seulement, parce que la police a fait l'enregistrement, la gendarmerie a fait l'enregistrement. Donc il faut les impliquer dans la distribution de la carte. Il faut multiplier les lieux de distribution. À titre de rappel, pour connaître votre centre de retrait, il suffit juste d'envoyer le numéro de votre carte NINA au 36 223. La lutte contre la corruption connaît un nouveau souffle. À l'espace de 48 heures, plusieurs personnalités, dont des ministres, ont été inculpées dans différents dossiers traités au niveau du pôle économique et financier. Les détails avec Roselyne Sibio. Selon des sources concordantes, l'ancien ministre de la Sécurité, général Salif Traoré, a été placé mercredi 30 août sous mandat de dépôt dans l'affaire Securiport. Il s'agit d'un contrat de concession signé en 2014 qui concerne la fourniture et l'exploitation d'un système de sécurité pour l'aviation civile et l'immigration selon les modalités de construction, maintien et transfert entre le gouvernement du Mali et la société Securiport LLC pour une durée de 10 ans. Pour le moment, on ne sait rien des faits reprochés au général Traoré et deux autres anciens ministres, dont l'ancienne ministre de l'Équipement et des Transports, Seynabou Diop, qui est citée dans l'affaire Securiport. Quant à elle, elle aurait été mise sous contrôle judiciaire. Elle est rentrée chez elle après une journée de cuisine. Pour les autres personnes concernées, on en saura plus dans la journée d'aujourd'hui ou de demain. Par ailleurs, toujours au pôle économique et financier, le dossier des enseignants volontaires dans lequel on soupçonne des malversations sur 8 milliards de francs CFA de 2020 a connu hier une accélération. Le DFM du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et un régisseur de son département à l'époque des faits ont été placés sous mandat de dépôt à la MCA. Les prochains jours risquent d'être chauds. L'hôpital du Mali, en partenariat avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, a inauguré ce mercredi 30 août 2023 le centre de procréation médicalement assistée. La cérémonie a été couplée à la remise de dons de médicaments, de matériels médicaux et du lancement de la semaine d'échange académique Chine-Mali. Le nouvel établissement a pour objectif de répondre aux besoins des couples infertiles. Maïmouna Ouedraogo, Matala Ouattara, pour le compte-rendu.
C'est ici, à l'hôpital du Mali, que se trouve désormais le premier centre de procréation médicalement assisté au Mali. Un rêve devenu réalité grâce à la coopération hospitalière entre la République populaire de Chine et le Mali, redonnant ainsi les sourires aux couples infertiles. Le projet PEMA est un axe de coopération mûri par les Maliens et soutenu par les Chinois depuis des années, ce qui est une source de fierté non seulement pour nous, les travailleurs de l'hôpital, mais aussi pour les autorités sanitaires de notre pays. L'infertilité est un véritable problème de santé publique au Mali, donc aider un couple à avoir un enfant est un geste inestimable et inoubliable. Cette cérémonie a été mise à profit pour lancer les activités de la semaine d'échange académique Chine-Mali. L'ambassadeur de la Chine au Mali a invité les personnels de l'hôpital à tirer profit de ces échanges. La mission médicale chinoise a été largement saluée par le peuple malien et est devenue une carte de visite brillante de la coopération médicale entre nos deux pays. Ces dernières années, la coopération médicale entre nos deux parties s'est développée davantage et vers un niveau plus élevé dans les échanges académiques et de recherche scientifique. À cette fin, les deux parties organisent cette semaine d'échanges académiques Chine-Mali sur la médecine clinique. Je souhaite que le personnel médical des deux parties profite pleinement de cette occasion et récolte de bons acquis. Pour les ministres de la Santé, ce centre vient à point nommé pour soulager les couples infertiles marginalisés dans la société. Le projet PMA, procréation médicalement assistée, est un axe de coopération mûri par les Maliens et soutenu par les Chinois depuis des années. Car l'infertilité est un véritable problème de santé publique au Mali. Beaucoup de femmes payent des millions pour aller à l'extérieur pour ce désir d'enfant. Si aujourd'hui, on peut satisfaire ces femmes ici, c'est un grand plus. Déjà, on a de bons résultats. On me dit qu'il y a 10 grossesses qui sont déjà confirmées. Donc, félicitations déjà à toute l'équipe. Cette cérémonie d'inauguration a été marquée par la remise des dons de médicaments et d'équipements à l'hôpital du Mali. La visite du centre PEMA, les scanners et l'IRM de l'hôpital du Mali qui sont désormais opérationnels a mis fin à la cérémonie. Par ailleurs, l'ONG Solidarité Plurielle a organisé ce jeudi 31 août 2023 un atelier de capitalisation de l'approche coup de pouce ou watch à l'école. Il s'agit à travers cet atelier de partager avec les acteurs les résultats des activités du projet pilote, la mise en œuvre de l'approche et de distribuer des documents en vue de leur faciliter le travail. Emma Fifa Menounaon, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Pendant près d'une année, l'ONG Solidarité Plurielle a mis en œuvre une approche permettant d'adopter les bonnes pratiques en hygiène et assainissement en milieu scolaire. L'approche coup de pouce est une nouvelle astuce incitant les enfants à se laver les mains sans être obligés. Ce projet concernait 6 écoles de la commune de Sitakili. Notre ONG s'engage résolument à accompagner ce processus de renforcement des capacités et de capitalisation à travers le plan stratégique de promotion de l'hygiène en milieu scolaire. Ce plan, qui a été élaboré avec l'ensemble des parties prenantes, a comme finalité d'améliorer l'accès à l'eau, hygiène et assainissement et à une éducation de qualité à l'ensemble des élèves du Mali. Pour atteindre cet objectif, les acteurs ont été formés pour la mise en œuvre de cette approche. Avec l'avènement de l'approche coup de pouce dans ces 6 écoles, on a vu qu'il y a eu un changement de comportement. La propriété au niveau des élèves d'abord. Le fait qu'il y a eu la diminution des maladies, telles que le paludisme, la diarrhée, ainsi de suite. Les élèves, par eux-mêmes, se lavaient les mains sous les hangars coup de pouce, là où on a mis en place les dispositifs embellis, avec des dessins bien choisis par les élèves eux-mêmes. Qu'on vulgarise l'approche coup de pouce au Mali, ça peut fortifier les deux approches que les écoles maliennes ont eu à exécuter dans leur établissement. Ce projet, financé par l'UNICEF et exécuté dans le cercle de Kenyeba, est bien apprécié par les bénéficiaires.
On a commencé les activités ensemble avec les superviseurs de zone. On est allé sur le terrain former les enseignants et puis amener des matériels pour l'assainissement. Au finish, on a vu que vraiment l'approche coup de pouce a apporté un grand point. Environ 40 personnes ont pris part à cet atelier afin de mieux acquérir les notions de base de l'approche coup de pouce WASH à l'école. Après 3 mois d'exécution, l'Association malienne des jeunes musulmans, AMJM, a clôturé ce mercredi 31 août 2023 les activités de son projet de vacances loisirs par une conférence débat et la finale de la compétition Maracana organisée pour la circonstance. Cette initiative de l'AMJM avait pour but de consolider la paix et le vivre ensemble entre les confessions religieuses. C'est ce que nous dit notre reporter Batil Nomadi. Promouvoir le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et la liberté des croyances au Mali, tels étaient les objectifs des différentes activités de l'Association malienne de jeunes musulmans dans le cadre de son projet Vacances Loisirs. Vu l'instabilité, l'insécurité dans le pays, on a jugé nécessaire d'exécuter cette activité. Parce qu'on a vu que ça va permettre à beaucoup de Maliens vraiment d'être sensibilisés et de comprendre réellement le vivre ensemble, l'importance de vivre ensemble dans le pacifisme, Inch'Allah. Donc c'est pour cela vraiment que nous avons fait cette activité. Cette initiative de l'AMZM qui vise à soutenir les efforts des autorités du Mali dans le cadre de la promotion de la tolérance interreligieuse, a été saluée par les invités, mais aussi par les autorités coutumières et administratives de Moussabougou. Ce sont les jeunes qui doivent construire la paix. La paix, là, c'est eux qui ont la force. Et ils ont les idées, ils ont les initiatives. J'ai pris seulement Dieu qui leur donne la sagesse de les mener, de mener ces activités pour que vraiment la paix revienne dans notre pays. Il faut que tous les jeunes sachent qu'il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les musulmans. Vraiment, il faut que tout le monde sache que nous sommes tous les Maliens et nous continuerons à être Maliens vraiment. Plus de 1000 personnes ont été directement impliquées dans la mise en œuvre des activités de ce projet de l'Association malienne de jeunes musulmans. La finale de la Maracana a été remportée par l'AS Daoudabougou face à l'AS Missabougou Sema. Actualité à l'intérieur du pays. On constate depuis un certain temps une violente recrudescence des attaques terroristes dans le centre du pays. Selon les sources locales, durant les 72 heures, on a enregistré plus de 20 attaques dans les régions de Mopti et de Banjagara en face. Les FAMA multiplient, elles aussi, les frappes aériennes. Assitan Diallo. Une embuscade contre l'armée a fait plusieurs morts, dont des civils, mardi entre Tiligar et Songogar dans la région de Banjagara, selon des sources. Selon des sources locales, la riposte des FAMA a causé de lourdes pertes dans les rangs des groupes terroristes. Au même moment, deux attaques simultanées ont visé les villages de Tumbu et de Bandiougou dans la commune de Gundaka, cercle de Banjagara. Pendant ce temps, Koumoudou, dans la commune de Bankassa, a été la cible de groupes armés. Des sources locales rapportent un bilan provisoire d'un civil blessé évacué au CSRF de Bankassa. Toujours dans le centre du pays, un déplacement massif est signalé à Fangasso, dans la région de Son. Ces personnes disent fuir l'insécurité. Hier, mercredi encore, dans la région de Banjagara, le village de Korou, dans la commune de Timiliri, a été sous le feu des djihadistes. La même nuit, les groupes terroristes ont attaqué les villages de Korou, Kembeji et Nene, près de Tiebongo, dans la commune de Timiliri, région de Banjagara. Ce jeudi, différentes personnes ont dit avoir constaté des mouvements des dizaines de terroristes sur des motos. Heureusement, on apprend que les forces armées et de sécurité préparent une vaste opération pour nettoyer leur nid.
Le directeur du centre d'animation pédagogique de Gourma Raous, enlevé par des hommes armés non identifiés le 29 août 2023 dans la zone de Marmar, non loin de Tombouctou, a été libéré par ses ravisseurs ce jeudi 31 août 2023. À Mopti, plus d'une centaine d'acteurs clés travaillant dans les services de l'état civil renforcent leurs capacités sur leur rôle et responsabilité dans la promotion de l'enregistrement à la naissance et des faits d'état civil. Cet atelier de formation qui se tient du 28 août au 6 septembre 2023 est une initiative de la Direction nationale de l'état civil avec le soutien financier de l'UNICEF. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, compte rendu. En effet, cette initiative est le fruit d'un effort de redevabilité de l'État, de ses partenaires vis-à-vis des enfants. Ainsi, le service de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et son partenaire l'UNICEF mettent en œuvre cette session de formation à l'endroit de 175 acteurs clés dans le travail quotidien de l'État civil depuis l'enregistrement à la naissance de l'enfant. Il s'agit particulièrement des maires, des conseillers en charge de l'État civil, des agents de déclaration des cercles de Badiangara et de Mopti. L'objectif visé par ces sessions de renforcement de capacité est justement de contribuer à l'amélioration du taux d'enregistrement des naissances et le retrait des actes de naissance dans les régions de Mopti et Badiangara. Ce projet répond donc à cet effort de redevabilité de l'État et de ses partenaires vis-à-vis des enfants. Ainsi, cela leur permettra d'accéder facilement aux services sociaux de base, la santé, l'éducation, la nutrition et d'être reconnu comme membre d'une famille, d'une communauté et d'une nation. Profitant de la cérémonie d'ouverture de la formation, le représentant de la Direction nationale de l'État civil a rappelé aux participants leur rôle et responsabilité dans la promotion de l'enregistrement à la naissance et des faits d'État civil. Vous détenez les registres de déclaration des faits d'État civil, naissance, mariage, décès. Et votre rôle crucial dans l'enregistrement des faits d'état civil, naissance et décès et mariage monte avec la remontée des données statistiques qui permet à l'État de planifier son sa politique de développement. Cet atelier de formation qui se déroule du 28 août au 6 septembre 2023 est une initiative de la Direction nationale de l'État civil en partenariat avec la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et grâce au soutien financier de l'UNICEF. Direction Kennedougou, où les populations riveraines des collecteurs naturels, à savoir le Lotio et le Cotroni, font face à des risques d'inondation en cette période pluvieuse. C'est une triste réalité pour ces populations à chaque période hivernale. Suivant ce dossier signé Idrissa Diallo. Des synonymes de fortes pluies avec malheureusement des cas d'inondation. Une situation qui engendre des dommages aux familles riveraines des cours d'eau qui subissent une déferlante des eaux de ruissellement comme ici au quartier Sanbougou 2 de Sikasso. Comme les années précédentes, les mêmes difficultés continuent. Mais cette année, ça va un peu car l'eau ruisselle dans les rues et rentre par finir dans les familles. On n'arrive plus à dormir parce que le passage de l'eau est presque bloqué au niveau du pont après la réalisation de la route, ce qui fait que l'eau ne circule plus librement. Malheureusement, les initiatives des habitants, notamment les jeunes, pour trouver des solutions à ce problème récurrent restent vaines car elles ne peuvent pas contenir les eaux de ruissellement des marigots de Cotroni et de Lotio, d'où cet appel. L'appel que nous lançons aux autorités, aux personnes de bonne volonté, est de nous venir en aide
afin que l'eau puisse suivre son cours normal. Nous souffrons chaque année à la même période, mais nous n'avons pas de moyens. Reste à attendre que les autorités décident de l'aménagement de ces collecteurs naturels, le Cotroni et le Thio, pour mettre fin au calvaire des pauvres populations riveraines. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Une bonne bibliothèque est le trésor des remèdes de l'âme. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À très bientôt.